Bonjour, bienvenue sur Coco TV, toujours à Taipei au Computex. Nous sommes sur le stand de Seasonic, mais nous n'allons pas parler de produits Seasonic puisque nous allons parler du boîtier The First par Monster Labo. Alors, c'est une nouvelle société. Ils font un boîtier avec un système de refroidissement entièrement passif, même si on peut mettre un ventilateur, comme on peut le voir sur la configuration derrière. Je n'ai pas regardé s'il y en avait un. Donc, en fait, nous avons un énorme radiateur annoncé pour 300 watts. Alors, pourquoi annoncer? Si nous sommes dans cette configuration, c'est-à-dire le boîtier complètement fermé, on peut dissiper 300 watts. Et si on le ferme, ce que nous verrons un peu plus tard, ce que vous verrez avec des photos que nous mettrons à la fin de la vidéo, on tombe à 200 watts, ce qui est quand même pas mal. Nous avons donc la carte graphique sur le côté, la carte mère au format Minitex de l'autre côté, et en fait c'est un seul radiateur, il n'y en a pas deux, il n'y en a vraiment qu'un seul. Pour le stockage, nous avons disque dur ou SSD au choix en fonction de l'alimentation. L'alimentation prend place sous le radiateur, donc cette machine fonctionne, elle tourne, alors là elle est en idle donc c'est pas très chaud, elle tournait fermée, nous avons une alimentation Seasonic passive, nous avons un SSD ici, on peut en mettre un autre juste derrière qui sera légèrement décalé, on peut en mettre un autre en bas, alors là il n'y a pas la place à cause des câbles, et on peut aussi mettre un disque dur. Alors pour le disque dur, on va aller sur ce modèle qui est en SFX, donc on voit la petite alimentation SFXL de chez Seasonic, on pourra en mettre un juste à côté. Donc il y a quand même pas mal de choses. Sur le dessus, nous avons les ports USB 3. Alors le boîtier, comme on peut le constater, est un prototype. Pas de date de sortie définitive pour l'instant, pas de matériaux. Le tarif serait entre 300 et 400 euros, donc avec le boîtier. Le radiateur qui comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6 caloducs pour le processeur. Et on retourne ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caloducs pour la carte graphique avec le système de fixation ici. Alors, oui, c'est des caloducs, c'est rigide. Du coup, est-ce qu'on peut installer n'importe quel composant? Oui et non. Non, mais forcément, le GPU ne sera pas toujours à la même place, le processeur non plus, mais il y a quand même de quoi faire. On peut le constater, nous avons deux cartes graphiques qui sont différentes. Il y a un petit jeu, ça bouge un peu, donc on peut ajuster timidement. 10 080 et 1050. Alors là, Aurélien me dit, nous sommes sur une 10 080, ouais, et là, une 1060. Et une 1060. Donc c'est quand même une très jolie configuration. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème, on a vu. Et c'est vraiment sympa. Et ça fait surtout pas de bruit. On peut mettre une alimentation passive, c'est quand même très très sympa. On vous en parlera plus très prochainement, bien entendu, sur cocotland.com.